Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Dans ce nouvel épisode de podcast, on va faire ensemble une méditation du soir qui va vous permettre de rentrer dans un sommeil profond et réparateur. C'est une méditation que vous pouvez faire allongée dans votre lit. Fermez les yeux et commencez par prendre trois grandes inspirations par le nez et expirez par la bouche. Évacuez les tensions de votre journée. Et prenez un instant avec vous-même. Sentez les draps vous envelopper et vous réconforter. Vous vous sentez en sécurité. La température est parfaite, ni trop chaud, ni trop froid. Vous êtes comme dans un cocon. Un cocon d'amour. Détendez les muscles de votre visage, en commençant par les yeux. Puis votre mâchoire. Détendez vos épaules et votre nuque. Détendez votre poitrine. Votre respiration se fait lente et profonde. Détendez votre ventre et les muscles de votre dos. Puis descendez et décontractez votre périnée et les muscles de vos fesses. Détendez vos jambes, vos cuisses et vos orteils. Visualisez les moments positifs que vous avez passés dans votre journée. Des moments qui vous ont fait rire, sourire. Concentrez-vous dessus.
accueillez les sensations, les émotions positives. Vous vous sentez bien, l'esprit clair, le corps détendu. Vous êtes prêt pour passer une bonne nuit réparatrice, profonde. Merci, merci à toi. Je suis heureuse de t'avoir guidée à travers cette méditation et j'espère du fond du cœur qu'elle t'a fait du bien. Pour pousser un peu plus la méditation, tu peux écrire dans ton journal. N'hésite pas à mettre des mots sur tes émotions, sur ce que tu as ressenti, pour éclaircir ton esprit et rendre tes pensées tangibles. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le noter avec 5 étoiles et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Namasté. Et à la semaine prochaine.